On va tous se lever avec notre Bible. Nous allons tous prendre le livre de Psaume, chapitre 22, verset 4. Tout le monde va lire en français et après tout le monde va lire en tamoul. Et là, on va lire en français, la parole pas grave, mais là, on va lire la parole. Psaume, chapitre 22, verset 4. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. 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 Donc, rien n'est plus important qu'être dans la présence de Dieu. Donc, l'objectif de la prière, c'est de chercher la présence de Dieu. Dans Jean 4, 23, la Bible dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Et dans ce verset, il est dit que Dieu siège au milieu des louanges. Donc, l'Éternel est attiré par les louanges et les adorations. Donc, il veut se demeurer au milieu des louanges et des adorations de ses enfants. Le secret pour être dans la présence de Dieu, c'est de faire un sacrifice de louange et d'adoration. Et tout cela en permanence. La louange et l'adoration sont censées être présentes dans ma vie comme la respiration. Il n'y a que le diable qui ne supporte pas l'adoration. Parce qu'elle attire la présence de Dieu. Et quand Esaïe a rencontré le Seigneur, il a vu une multitude d'anges autour de lui. Quand tu ouvres ta bouche pour louer et adorer le Seigneur, il descend au milieu de nous pour siéger au milieu de ses louanges. Donc, il ne faut pas entrer dans la prière pour montrer à Dieu à quel point ton problème est grand. Mais il faut montrer à ton problème combien Dieu est grand. Alléluia. Donc, Dieu doit être loué et adoré en tout temps. Même quand les choses vont mal. Donc la louange doit être sans arrêt dans la bouche d'un enfant de Dieu. Parce qu'il est demeure. Nous allons tous fermer les yeux et rentrer dans la présence de Dieu.
article que nous avons lu aujourd'hui des Psaumes chapitre 22 verset 3. Amen. சங்கீதம் 22வது அதிகாரம் 3வது வசனம் சொல்கிறது. Psaume chapitre 22 verset 4. இஸ்ரவேலின் துதிக்குள் வாசமாய் இருக்கிற தேவரீரே பரிசுத்தர். சத்தமாவராமே சொல்லுங்க. அந்த இஸ்ரவேலின் நாடு நீங்கள் என்றார். அல்லேலூயா. கர்த்தர் எங்களை மீட்டு கொண்டார். கர்த்தர் எங்களை எங்களோட உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறார். கர்த்தர் எங்களுடைய துதியில வாசமாய் இருக்கிறார். நான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது. உட்காருங்க. ஆமென். நான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது. இல்ல ஆமென். நான் உங்களை உட்கார சொல்லல, பாட்டு போடுற உங்களை உட்கார சொல்லேன். மற்றவங்க எல்லாம் எழுந்து நில்லுங்க. பார்த்தோம். ஆமே ஸ்தோத்திரம். நான் அவங்களை தான் உட்கார சொன்னேன். சரி, நான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது. எங்கள் பிதாக்கள் உம்மிடத்தில் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். Thank you.
போனி இந்த இரண்டாவது வசனத்தை சொல்லுவோமா கர்த்தரை நோக்கி எல்லா கரங்களை கூடி கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தாவே நானுமை நோக்கி கர்த்தாவே நானுமை நோக்கி Hallelujah.
Oh.
Il doit me suivre.
நேசிக்கிற பிள்ளைகள் moi je vous dis chacun d'entre vous aime le seigneur énormément இந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளை நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் இயேசுவுடைய ஊழியக்காரர்கள் ஊழியக்காரிகள் toutes les personnes qui sont ici je vous le dis vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu நான் சொல்லுகிறேன் எப்படி நீங்க ஊழியக்காரன் சொல்லுகிறேன் சொல்லி je vais vous dire comment vous êtes des servantes et des serviteurs de Dieu உண்மையா சொல்லுகிறேன் நீங்கள் இயேசுவுக்கு ரொம்ப பிடித்த பிள்ளைகள் je vais vous dire la vérité vous êtes aimés par Dieu கர்த்தருங்களை ஆசீர்வதிப்பா le seigneur vous bénira கவனிங்க பைபிள் சொல்லுது Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Si quelqu'un fait mon service, je vais vous dire après quels sont les services. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Et comment sont les personnes qui vont me suivre? Certaines personnes rendent grâce au Seigneur.
Amen. Moi, je suis venu avec une décision aujourd'hui. Encourager ceux qui font le service. Et ils sont en train de couvrir la soif de
Ils sont en train de détruire ceux qui ont soif de faire le service. Moi je dis la vérité. Ne détruisez personne. Le Seigneur appelle tout le monde. Le Seigneur aime tout le monde. Jésus a dit que tu peux le faire. Et ensuite, je vais parler d'autres choses, vous allez voir. Le grand serviteur n'est pas assez grand. Plus je médite, plus je médite, je ne vois pas les heures passer. Alors méditez. C'est une très grande aide pour vos services. Ce sera une aide pour relever 4 personnes. Moi je dis, c'est vrai, je l'accepte. Si le Seigneur a appelé Moïse face à face. Il y a le feu qui s'éteint. Et le Seigneur parle. Viens pour mon service. Et moi, je vais vous dire comment il a appelé à vous. Le Seigneur, parfois, certains services le fait face à face. Le Seigneur vous bénira. Amen. Je sens une différence de parler dans cette église. J'ai l'impression de parler avec ma femme et mes enfants. Moi, je ne crie pas comme je crie à la maison. Ils prennent en vidéo. Ok. Le Seigneur vous bénira. Moi je vous dis, le Seigneur a appelé Moïse par la face. Et moi je vais vous montrer comment il a appelé Aaron. Si tu n'as pas été appelé comme Aaron, tu ne peux pas faire un grand service. Moi j'accepte. Mais il a été dit pour quelqu'un d'autre. Posez-moi, il y a un service qui a été établi. Et je vais le dire.
vais vous montrer comment Aaron a été appelé. Qu'est-ce que Dieu a dit à Aaron? Moi, je vais te donner un grand service. Il ne l'a pas dit comme ça. Il ne s'est pas dévoilé comme il s'est dévoilé à Moïse. Qu'est-ce qui est marqué dans la parole? L'Éternel dit à Aaron, la présence à l'église.
chapitre 2. Amen. திருச்சவண்டைக்கு தமோமலாக பிறக்குது. C'est la première fois que la salle se lève. Amen சொல்லுங்கப்பா. Dites amen. பெந்தேகோஸ்ன்னு சொல்லுறோமே. On dit Pentecôte, Pentecôte. ஆமா நான் தனியா உள்ள வாசிக்கிறேன் உங்களுக்கு. Mais je ne vais pas vous lire sous le C'est une très grande fête. Lorsqu'on arrive au chapitre 3, et tout le monde rend témoignage de ce qui s'est passé ce jour-là. Il s'est passé si seul, il y a eu beaucoup de miracles, il y a des témoignages. De très grands témoignages ont été dits, le Seigneur vous bénira. Votre chanson m'a touché, vous avez bien chanté. Mais je ne voudrais pas chanter à toutes les témoignages. Ils ont chanté avec l'autorisation. Et personne ne doit s'endormir. Moi, mon travail, c'est de veiller sur vous pour pas que vous vous endormiez. Moi, je fais attention à ce que tu fais. Dans le chapitre 3, ils disent des témoignages. Si vous arrivez au chapitre 4, il y a eu un réveil à l'église. Écoutez ce que je vous dis. En ce temps-là, le nombre de disciples.
Le Seigneur est ravi. Le Seigneur a dit, vous partez-vous dans toute la terre. Et tout le monde est en train de grandir dans la demi. Ils sont en train de se remplir, donc sous, ils sont bien. Mais dans le monde, il y a des malades. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur dans le monde. Et le Seigneur a permis un problème. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Parce qu'elle ne chante pas bien cette sœur. Cette caméra ne marche pas bien. Cette église n'adore pas bien. Ils ont murmuré. Deuxièmement, ils doivent être remplis de la sagesse.
savoir et comprendre comment où ils doivent parler. Troisièmement, ils doivent avoir un bon témoignage dans l'église et dans la société. Amen. Vous avez de très bons témoignages. C'est pour ça que je dis fièrement que vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Et les enfants de l'église ont pris cette et qu'est-ce qu'ils ont donné comme travail? Ils ont donné le travail de faire avancer le travail de la cuisine. Et dès qu'ils sont rentrés dans le service, il n'y a plus de murmure. Les apôtres ont eu moins de problèmes. Les apôtres ont commencé à plus Philippe, non? Philippe.
Philippe et Étienne sont partis faire d'autres services. Servan qui est Étienne? Servan. Ils ont dit, ils ont demandé à Étienne de faire le travail. Il y a 7 personnes qui sont devant. Les apôtres ont regardé. Priez. Ils sont tous remplis de l'esprit. Tout le monde a l'onction. Ils ont tous. Est-ce qu'ils ont la sagesse? Est-ce qu'ils ont un bon témoignage? Est-ce que l'église va leur obéir? Ils ont tout examiné et ensuite ils ont autorisé. Ce n'est pas le peuple qui a décidé, c'est les serviteurs. Les apôtres ont imposé leurs mains. Et après cela, les 5 autres personnes n'avaient pas leur nom. Et Philippe et vous levez. Étienne, ce n'est pas marqué. Lorsque Jésus appelait Paul, Jésus était devant lui. Pourquoi tu m'attristes? Pourquoi tu ne fais pas bien le service que je t'ai donné? Oui, pourquoi tu me négliges? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Seigneur qui vous crie dessus? Moi je vous bénis. Ne laisse pas les services. Ne dis pas tu ne veux pas. Et au moment où tu dis que tu ne veux pas, le cœur de Dieu se crise. Il regarde tout le monde et dit viens, suis-moi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière.
அபிஷேகத்தில் நிறைந்தாலும் உன் தலைமத்துவத்துக்கு கீழ்ப்படியாட்டி எந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் உனக்கு வர போறது Même si tu es moins si tu n'écoutes pas le ton supérieur le plus grand இந்த பைபிள் அப்படி தான் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆமென் சொல்லுங்க தொடர்ந்து வாசிக்கிறீங்க நீங்க இந்த யோசனை சபையா எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இருந்தது Cette proposition plut à toute l'assemblée. Il y a les sept personnes. Les apôtres apposèrent les mains. Ils prièrent pour ce service, imposèrent les mains et les envoyèrent à Le verset 8. Étienne qui fait ce service. Est-ce que je vous ai dit que le Seigneur vous a appelé pour la Et il a commencé à faire ce service. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous dire. Étienne, plein de foi de puissance. Tu dois être rempli de foi. Si je côtoie quelqu'un, moi je vais changer en m'adaptant à lui. Et lorsque je parle avec quelqu'un, je Et je vais m'adapter en changeant par rapport à la personne. Mais certaines personnes ne s'adaptent pas. Dans le chapitre 7, verset 2. Homme, frère et père, écoutez. Tout le monde a applaudi. Tout le monde a applaudi et a écouté. Et à la fin de la prédication, il a utilisé. C'est un très beau serviteur. Peu importe ce qui se passe, moi je vais faire le service pour Dieu.
grand travail dans ce monde, c'est faire le service de Dieu. Étienne, c'est lui qui a été lapidé premièrement, qui est mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il dit à tout le monde. Et il sait que tout le monde a crucifié Jésus. Et moi je sais que c'est des hommes de caractère. Et il dit une mauvaise parole. Et tout le monde a pris la pierre. Et ils l'ont ramené dehors. Et si tout le monde se lève contre moi maintenant, là, si c'était l'ancienne église, je pouvais courir. Et si je saute par la fenêtre, je vais dans le coma. Il y a des puissants guerriers jusque-là. Si je ne peux même pas m'échapper de la fenêtre, l'Éternel vous bénira. Faites le service pour Dieu. Amen. Philippe est parti dans une autre assemblée. Et une fois que Étienne est mort, d'autres assemblées ont eu beaucoup de bénédictions qui sont nées. Toutes les personnes désirent que l'église de Bethel soit ainsi. Il est 11h35. Je vais le donner au Seigneur. Acclamez le Seigneur.